Salut à tous les amis, on est de retour sur la suite de notre aventure sur Detroit Become Human. Alors, ce sera la première vidéo où je ne parlerai pas du tout. Voilà, je vous laisserai tranquillement poursuivre la suite de l'aventure. Donc, c'est parti, let's go! Nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. L'androïde AX400 qui a attaqué son propriétaire dans une banlieue de Détroit est toujours en fuite. Le conflit dans l'Arctique a pris de nouvelles proportions. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les... environ Kara. Là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps! Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Thank you.
Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux ? Non, merci, j'ai vraiment pas faim. Alice ? Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait partie d'une famille. Mais on peut peut-être en créer une ensemble et être heureuse à notre façon. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez, allez, viens te coucher. La journée était rude, mais... Essaie de dormir un peu. Tout aura l'air moins sinistre demain. Tu peux me raconter une histoire, Kara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire.
devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. Il était une fois une petite fille qui... qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour trouver un endroit où elles seraient en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... mais elles voulaient tellement être libres qu'elles surmontèrent toutes les épreuves. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier ? Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara... tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici.
Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu viens, Kara ? Je crois que tu n'as pas le choix. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes, ou c'est juste toi ? Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours ? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor. Y'a rien de très rationnel là-dedans. Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents.
Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Non, elles ne voulaient rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Pourquoi devrais-je avoir peur? Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Désormais, il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratfor. La salle de contrôle est située au dernier étage, c'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails, on ne peut rien laisser au hasard.
Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Elizabeth Wilson, j'écoute. Oui, bonjour. Ici la brigade des pompiers de Détroit. Vous habitez bien au 4685 rue Michigan? Ah, oui. Eh bien, il y a eu un incendie dans votre immeuble. Vous pouvez venir. Oh, mon Dieu. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci.
J'ai besoin de ton aide. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Je m'occupe de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre.
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. Violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé hey! Qu'est-ce que tu fais? Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! Non. Il t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail.
Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tirons-nous d'ici. Félicitations, Marcus. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Tu es peut-être celui qu'on attendait après toi. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terroristes. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Bien. Yeah. Bon, j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît. On poursuit, hein. On va continuer encore quelques minutes de l'aventure, une bonne grosse demi-heure et on s'arrêtera là. Donc voilà, je vous ai dit que je ne parlerai pas pour la première fois pour cette vidéo. Voilà. Allez, on poursuit l'aventure de Detroit Become Human. Bon visionnage à tous et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit.
Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? J'ai trouvé deux déviantes, à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais il a fallu que je les détruise. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. De la station. Ils ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant? Voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, dans quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble. Nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9?
Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras ? On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336-445-581. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Tu vas être désactivé.
Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire! Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Je sais que c'est toi, sac à merde. C'est une saloperie de déviants! Allez, avoue-le! T'étais là, sinon je... Connor. Connor, non.
Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Ça me va. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Il verrait qu'on n'est pas méchant. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle.
Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? C'est une longue histoire. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous allions de l'avant. Pour commencer une nouvelle vie. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Vous vivez seule ici avec votre fils ? Mon mari nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Pourquoi est-ce que vous nous aidez ? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite! Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas... Elle est cachée. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison! Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines! Ils sont... vivants! Moi, je suis vivant! Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien!
Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Alice, cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects?
Non, rien de particulier. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferai bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose! Allez vous préparer. On part ce soir. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter à là. Pour cette partie de Detroit Become Human, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne évidemment. Et on se retrouvera pour la suite de notre aventure. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.